Et yo tout le monde, j'espère que vous avez bien. Pour voir ça, super nickel. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de Rustuff et d'Astuce K. Je vais pas m'attarder sur le stuff pour l'instant. Je vais vous dire mon astuce que j'ai fait. Bon, à part blessure et dopage, regardez que je viens de vendre là. Mais bon, je l'ai fait aujourd'hui, hein, sincèrement. Parce que en étant non stuff, c'est un petit peu difficile de gérer dopage, mais bon. L'astuce que j'ai fait, j'ai pris alchimiste, je sais pas pourquoi. J'aurais pu prendre un autre HDV. Mais bon. Toujours mon PC qui lag un petit peu. C'est pas grave. L'astuce gamma, c'est d'acheter par 10 ou par 100 des potions. Ou bien par exemple là, les cafés. Donc là je vais pas le faire parce que j'ai pas vraiment énormément de kama. Mais bon, quand vous avez 500 000 et puis que vous avez besoin de kama, bah, vous le faites. Hein, par exemple 299 000, 999, donc on va arrondir à 300 000. Ça vous fait les 100. Vous les vendez à 3. Bon, allez, on arrondit à 400 000 parce que j'ai arrondi là aussi. Donc vous arrondissez à 400 000, à 40 000 plutôt, et vous faites 400 000 kama, soit 100 000 de bénéfices. Vous allez dire ouais, 100 000 de bénéfices, c'est pas énorme et tout, mais bon, c'est quand même toujours ça. Regardez, franchement, j'en ai fait deux d'Astuce K, donc une qui a vraiment foiré. Mais bon, vous le faites et puis ça vous rapporte donc, par exemple là, 300 000, 400 000, 200 000 km de bénéfices. Juste comme ça, vous vous déconnectez, bon là c'est bof, hein. Vous déconnectez, là c'est énorme. Donc tiens, vous regardez le jeu l'affaire. C'est juste énorme là. Quand même, c'est fait à peu près 200 000 km de bénéfices. Donc regardez, 3, 4, 9, 9, 8. Donc vous regardez que mon HDV là peu blindé. Vous regardez que je le fais, bon, potions minérales qui se vendent pas, mais je le fais, hein, donc c'est pas pour vos mythos, hein, je le fais. Et j'ai vu que les potions des nutrophes avaient baissé en plus. Mais bon, je crois que j'en ai même plus. Mais bon, ma mémoire me joue des tours encore une fois. Alors, c'était combien déjà? Je crois que c'était 3, 4, 9, 9, 8, il me semble, que je devais le mettre. J'ai pris, hop. Donc vous voyez que je vous mens pas du tout. Cette astuce qu'elle que je faisais régulièrement quand j'allais en cours, parce que je suis oui, c'est mieux ce que j'ai raison. Je suis pas de Paris, je suis d'une région de Picardie, donc ceux qui connaissent, hein, big up à eux. Bon. Donc je suis en cours encore, bah, depuis une semaine, ça va faire 2 semaines. Bon, je compte pas vraiment cette semaine, mais bref. Trêve de bavardise, je sais même pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Et ben vous faites ça, hein, vous le faites tous les soirs, vous regardez votre HDV, tout, etc. Vous le faites, et ben après vous connectez, et puis vous dites, oh, mes popos sont vendus, c'est excellent. Et voilà. Donc moi je l'ai fait avec, je vous ai montré déjà une astuce, en plus je l'ai fait avec vous, je voulais pas la faire parce que j'ai plus vraiment beaucoup de gamma. Plus c'est vrai que j'ai pas vraiment stuff complet complet. Mais bon, donc pour vous dire, ceux qui sont mauvais en calcul, par HDV, si vous achetez par 100, vous devez en prendre 4 ressources, 4 items, 4 ressources, 4 minerais, 4 potions ou 4 runes par 100. Bon, les runes c'est vraiment un peu difficile pour faire des bénéfices par 100, prenez par 10, après ça dépend. Mais bon, comme ça vous fera 40, 40 objets. Donc là, j'ai été dans l'alchimiste, hein, je vous dire aussi donc les trucs qui se vendent le mieux. Donc en alchimiste, c'est les potions de forêt aussi que je vous ai pas montré. Mais bon, les potions de temple se vendent énormément, donc surtout par 10. N'achetez, vendez jamais à unité presque, même si vous dites ouais, je me fais plus de kama. Mais non, sérieusement, vendez-les, excusez-moi, par 10, ça part comme du petit pain. Mais essayez de pas prendre aussi les potions qui sont à côté, ou à côté d'un zap. Dispo craft packet, oui. Donc je vais vous faire une petite ellipse, désolé, hein, voilà, attends, je vais vous dire vite fait en minerai. Donc par exemple là, il n'y a pas d'astuce kama à se faire. Parce qu'on se fait. On se fait vraiment rien du tout.
Donc voilà. Mais sinon après si vous pouvez vendre par unité, c'est pas mal. Mais bon, je vous conseille vraiment pas. Si vous voyez que vous regardez si c'est plus cher de le vendre par 100 que par 10, n'essayez jamais d'acheter par 10 les 100, parce que après bah pour être dégoûté. La vraiment grosse astuce, bon là il s'est gouré, mais franchement si vous l'achetez vous êtes, on va dire, con. Excusez-moi du terme, mais bon, voilà. Là on sait pas beaucoup de bénéfices. Surtout le cuivre, hein, quand c'est des bénéfices, le bronze. Là on fait un petit bénéfice, hein, bénéfice de 10 000 kana. Bon là l'étain est pas mis. Bon après le manganèse, je veux dire, la grosse astuce aussi, on se fait 40 000 km, on va arrondir au lieu de 8 000, donc on se fait 32 000 km de bénéfice. Bon après vous regardez à peu près partout, hein, ça dépend de serveur aussi, à l'heure aussi. J'ai pas fait attention. C'est l'heure. Bon, voilà. Là une grosse astuce quand même, donc vous les vendez par cent et vous les vendez à unité, où vous faites énormément de bénéfices. Non, je rigole. C'est vraiment. Je sais même pas pourquoi le mec il a mis ce prix. Mais bon. Bah là toujours une petite astuce, on fait une 30 000 km de bénéfice à peu près. Donc j'ai regardé quand même la mode vente, oui voilà. Wow, faudra que je change un petit peu, mais c'est vrai que j'ai un peu la flemme, mais bon. Faut regarder que je la fais régulièrement cette astuce quand même là, hein. Niveau ressources, vous regardez les trophées, etc. Vous regardez les trophées. Les ressources de trophées, genre il y a quoi? Il y a les ailes de dragonnade dorée. Vous les achetez par 100 et vous les faites par vous les vendez par 10. Bon, c'est vrai que ça a énormément augmenté. Je la faisais avant. Ça coûtait 300 000 les 100. Il me faisait non, non même pas. Ça coûtait 100 000 les 100, parce que je me faisais 200 000 quand même de bénéfices. Donc voilà. Désolé de vous faire attendre comme ça. Mais bon, c'est le business. Le business, c'est le business. Hein. C'est lui? Oui. C'est lui. Après, bah, vous regardez les ressources. C'est comme les potions. Hein. Bon, bah, tu peux accepter aussi, ce serait sympa. C'est comme les ressources. Hein, Non, baguette. Oui, je sois pas pris trop de temps. Hein. Il est même pas poli, hein, il dit même pas bonne journée. Oh là là. Et si c'était Koba, bah, je le tue. Ah, non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc oui, ressources, regardez les items pour craft des objets. Des objets. Des trophées, je bafouille un peu, excusez-moi. Potions, pareil, essence, bosquet, etc. Donc je pense vous avoir tout dit sur cette astuce Kama. Va falloir que je regarde les prix de mes HDV, hein, parce que s'il y en a qui le font. Non mais ça, après ça dépend de vos serveurs. Hein. Personnellement, c'est juste comme ça. Donc bah c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin en tout cas de la partie Kama. Donc ceux qui veulent pas voir mon stuff, etc. Eh ben vous partez, hein, comment dire ça. Non mais sérieusement, si vous avez pas envie de voir, bah je vous empêche pas de regarder, hein, ne vous inquiétez pas. Donc oui, si je mets pas mon bâton bré, ça va pas le faire. Donc pour mon stuff, donc j'ai pris R, puis je changerai peut-être en Fulgi, peut-être marteau renne, mais à voir, après à voir, hein. Franchement à voir. Donc c'est un petit stuff, hein, mode sac poubelle. Depuis le nouveau ski de la Panopinion, surtout les la coiffe qui ressemble à rien, j'ai envie de vous dire. Donc quand même très bon jet. Après un anneau de colérette, j'ai bafouillé à mort là. Une boîte d'Alistair. Après qu'est-ce que j'ai mis? J'adore quand ça bug comme ça par contre. Après une ceinture à se boulir aussi, donc il a vachement baissé. Un genou très mauvais, je sais pas, très mauvais, j'ai quand même 99 vita, mais à changer. Et puis la miette quantique, bah là hors catégorie, hein. C'est vrai que j'ai regardé les prix de mes tripages, etc.
Ça donnait pas envie de les acheter. Puis bah, je pense la garder un petit peu en. Franchement, niveau dommage. Bon, il manque un coup critique, mais j'ai pas envie d'acheter un tutu, surtout quand on est hack pour avoir le 1 sur 2. Bon, après, on a un combat mineur qui traînait dans la banque, et puis bah, là, j'ai acheté un Dofus Kabot. Plus 34. Parce que bah, j'ai été hacké. Donc ce qui nous donne en stat 3911 de vita, donc 5001 en tout, 303 de sagesse, 71, 77 force, parce que j'étais par choix 37, 39, 7 intel, parce que j'étais par choix intel aussi, 20 en chance, parce que j'étais par choix en chance aussi, et donc 465 d'agilité, donc va falloir que je revoie le pare-sautage encore. Donc il nous donne 1388 en initiative, 138 de prospection, c'est vrai que j'ai pas pris. Les items avec la prospection, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, et puis je cherchais pas vraiment à faire des astuces cabas avec la prospection. Vous savez énormément que je déteste ça. À part une astuce cabas que j'ai dévoilée, hein, mais bon. Et trois portées qui est quand même pas mal. Et une invocation. Donc ce qui nous donne au niveau des retraits PA, 30. Retraits PA, oui, 30. Esquive PA, bah, retraits PA, on s'en fout un peu. Esquive PA, 36. Retraits PM, on s'en fout aussi. Esquive PM, 30. Critique 23, soin bas, tac 48 et fuite 46, dommage 34, puissance 32. Alors dommage neutre 19, qui est quand même pour la punition, c'est quand même pas mal. Après 6 terres, 41 en R, mais bon, j'ai acheté des trophées, hein, ce qui était pas. Puis après, piège, on s'en fout, piège aussi. Quand même, les résistances, c'est juste épique ce que j'ai vu quand même. 42 résistances fixes en neutre. 6 résip aussi pour 100 neutres, bon bof. 10 fixes terre, 18 fixes, 10% terre, 10 fixes en feu, 7% en feu, 19 fixes et 18% eau, et air fixe, j'ai rien, et 6% en air, et 13 coups critiques, bon après, voilà. Cherche un cœur pro vite. D'accord. Bon bah j'espère que c'est pas encore pour moi, hein, mais non. De toute façon j'ai changé tout. Mon adresse email, mon mot de passe. Pff, après tout le monde s'en fout. Je pense que tout s'en foutait là ce que je dis, mais bon. C'est pas grave. Donc par contre, je tenais à vous dire que j'étais. Je suis passé partenaire YouTube. Hein, donc voilà. Etc. Puis bah aussi que vous êtes très nombreux, quand même 148 abonnés, j'ai toujours pas fait de ma vidéo pour les 100, donc j'attends 150. On verra ce que je fais comme vidéo spéciale à voir, à venir, à voir. Donc c'était Litz Blood pour une nouvelle vidéo de nouveaux stats. Non, sérieusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que n'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu quand même. De commenter, d'aimer, de partager, de faire sonner ma chaîne, ça ferait vachement plaisir et puis ça me motiverait à faire d'autres vidéos. Et je tenais aussi à vous remercier énormément pour tous les messages de soutien que j'ai eu quand j'étais hack. C'est vrai que j'avais plus trop envie de jouer, et puis après je me suis dit ouais non, beaucoup de monde me suivent quand même, bah beaucoup de monde, 148 peut-être. Je vais dire ouais c'est médiocre, mais pour moi c'est juste énorme. Je pensais pas arriver autant quand même, et j'espère que ça va continuer. C'est grâce à vous que je me suis restat. Je vous adore, vous êtes les meilleurs, sérieusement. Vous êtes les meilleurs. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.